La classe politique congolaise n'est pas restée muette à l'issue des résultats des élections de gouverneurs de province. Pour le compte du Congo central, le député provincial de la circonscription de Boma, Alain Mambimbiwane, a livré ses impressions quant à l'élection de Atou Matubwana. On a respecté notre rôle de député. Nous avons voté pour les candidats à gouverneur. Maintenant, nous avons le gouverneur Atou qui est passé. Nous devons, en tant que député, de pouvoir l'accompagner pour pouvoir gérer la province. En tant que député, on va l'appuyer. Nous n'avons pas le choix. Il a été élu. Il a été élu, voté massivement au niveau des députés provinciaux. Comme nous le disons, les députés provinciaux sont l'émanation de la population, donc les porte-parole de la population. Ils sont censés représenter la population. Donc je me dis que si il y a autant de députés qui ont voté pour lui, c'est que d'un côté la population aussi soutenait ces choix-là. Sinon, la population a fait des mauvais choix de députés. Il a par ailleurs adressé un message à ses électeurs des Boma et à l'ensemble des électeurs de sa province. En tant que jeune et en tant que député, je vais faire en sorte que Boma soit représenté dignement au niveau du gouvernement du Congo central. En jouant avec mes relations, bien évidemment, mais je vais tout faire pour en tout cas qu'on ne soit pas oublié. Et effectivement, c'est le Qatar qui a gagné les élections, mais je vais me battre en tant que député, en tant que jeune, pour mettre la jeunesse en avant et mettre aussi bien évidemment ma ville en avant. C'est un combat que je vais commencer dès aujourd'hui. Nous allons voir jusqu'où on peut aller. Je ne peux pas abandonner les personnes qui ont voté pour moi. Ça, je ne peux pas. Pour rappel, le nouveau gouverneur était jusqu'alors le gouverneur ad intérim depuis le décès de Jacques Mbadou Sitou.